Coucou, bonjour. Coucou, bonjour. Je fais une petite bande d'annonce pour annoncer mon direct samedi. Samedi à 16h après-demain. Non, vendredi, voilà. Voilà. Coucou, Boma. Je fais un petit direct vendredi à 16h. Bonjour Kala. Pour annoncer, enfin, je fais ce direct comme une bande d'annonce parce que vendredi, je serai en direct. En direct parce qu'il y a un, je sais pas comment je peux l'appeler, un affamé, un diffamateur. Je ne sais pas qui c'est, comment je peux appeler ce garçon. Apparemment, il veut me faire fuir de Facebook. Et il écrit que j'ai mal à la tête. Je vais parler de... Parce que ce garçon est en train de raconter beaucoup d'histoires. Surtout l'histoire concernant Stella Amogou. Surtout l'histoire concernant Stella Amogou. Et j'avais dit ici que si j'insulte Perpétue ou Perpétue m'insulte, une personne se mêle, c'est sur Perpétue que je monte. Et comme Perpétue subitement a eu la famille sur Facebook. Je vais demander à ce garçon s'ils se sont déjà vus, s'ils se connaissent. Et pendant que ce garçon m'insulte, Perpétue est là-bas, elle envoie les fleurs, elle envoie les cœurs. J'espère que vous tous vous voyez. J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Je le dis encore. Vendredi plus tôt, à 16h. Je pense que l'heure vous arrange. Vendredi à 16h, je fais un direct sur Perpétue et pour éclaircir l'histoire Stella Amogou. Stella Amogou avait des preuves parce que moi je suis une personne qui adore des preuves à l'appui. J'ai bloqué, je vais oser appeler son nom aujourd'hui, le monsieur qu'on appelle Samé. Si vous vous souvenez, j'appellerai des témoins comme Guéma. Comme Guéma, comme pas mal de personnes, Guéma surtout parce que lui fait souvent des directs, c'est là où j'ai... Et Antoine Bachot, voilà. Antoine Bachot et Marie-Thérèse Babon, voilà. J'ai fait des... Quand Logan est entré dans Facebook, il a annoncé qu'il devait clasher Perpétue et sa team. Je suis allé là-bas, tout le monde était là-bas. Et quand il annonce qu'il va clasher Perpétue et sa team, à l'époque là, j'étais vraiment chaude avec Perpétue. Alors le monsieur commence à raconter les histoires sur ma personne et sur celle de Bachot. J'ai dit ok. Bachot insiste, Bachot l'appelle, ils essayent de causer. Ils essayent de causer. Et quand ils essayent donc de causer, j'ai dit à Bachot que mais pourquoi tu causes avec ce monsieur? Pourquoi tu as accepté de causer avec lui? Comme si j'étais, je ne sais pas, un médium. Monsieur a affiché ce qu'ils ont causé ensemble sur les réseaux sociaux. Ce qu'il a causé, ce qu'il a échangé avec Bachot. Je vais faire un direct vendredi parce que je suis très occupée. Merci Ange. Je vais faire un direct vendredi. Parce que quand on laisse certaines personnes, ce n'est pas parce qu'on a peur. On n'a pas peur, mais on a décidé sur les réseaux, moi particulièrement, j'ai décidé sur les réseaux sociaux que je ne réponds pas à n'importe quoi. Je ne réponds pas à n'importe quoi. Et si quelqu'un m'insulte encore, si ça me continue à m'insulter, parce que je parle d'une histoire de Perpétue, je m'assois sur Perpétue. Je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre. Je m'assois sur Perpétue. Et les détails sur la nudité du camion. Et le... Comment ça s'appelle? Et le transport, donc, la douane de la voiture. Je vous raconterai la vraie version vendredi à 16h. Parce que j'ai la vraie version. Et qui a dédouané cette voiture? J'ai la vraie version. Donc, à vendredi à 16, vendredi à 16h, je serai avec vous. Voilà. Patricia Tambès, écoute, à un moment donné,
quand tu laisses quelque chose, les gens ont comme impression que tu as peur d'eux. Jusqu'à le faux fils de merde écrit que j'ai mal à la tête, écrit que je suis sorti avec XZ, je vais mettre les captures d'écran de ce qu'il écrit. Et je vais lui répondre pour lui montrer que j'ai pas peur de lui. Il fera ces choses 100 fois. Je ne vais jamais. Je dis bien jamais parce que j'avais dit ici sur Facebook que je n'insulte pas les gens que je connais pas. Et je ne vais jamais l'insulter parce que je ne le connais pas. Mais je vais lui dire ce que je pense. Et me référer, je perpétue. Maintenant, vous qui êtes de la team perpétue, vous qui êtes de la team perpétue, je peux pas parler maintenant et ange, parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, donc je ne peux pas parler maintenant. Je ne suis pas seul. Donc je ne peux pas parler maintenant. Je vais parler vendredi. Vendredi, c'est après-demain, c'est pas loin, à 16h. Vendredi, c'est à 16h, c'est après-demain. Voilà. Donc je vais bien m'asseoir. Je vais bien parler. Et on va parler de Perpétue. Moi, je vais maintenant m'asseoir sur Perpétue tous les jours. Tous les jours, jusqu'à ce que ça m'insulte. Comme il a promis que si je prononce Perpétue, il va m'insulter. Je vais m'asseoir sur elle tous les jours que je pourrai. Je dis bien, tous les jours que je pourrai. Et la guerre, elle va reprendre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Flore, que Flore, j'essaie un peu de me retirer, de m'empêcher d'insulter Perpétue, parce que vous aviez fait la paix. Et je ne suis pas contre votre paix. Ok, à 18h, je ne suis pas contre votre paix. Mais il ne faut pas que les gens fassent comme si je suis contre votre paix, parce que je n'ai jamais été là quand vous aviez commencé. Mais si aujourd'hui j'arrête d'insulter Perpétue, c'est quelque part par rapport à toi. Elle m'a dit, je sais. Donc voilà ça qui commence. Je l'ai appelé pour lui parler de ça. Alors je vais me lever vendredi à 18h, parce que quelqu'un me dit à 18h. Je vais me lever vendredi à 18h. Dites bien à ce monsieur. Je l'appelle encore monsieur. Je ne peux pas lui donner les sobriquets ou quoi que ce soit parce que je ne le connais pas. Qu'il mette bien sa ceinture. Parce que lui et moi, on va courir sur Facebook quand j'aurai le temps. Je ne suis pas dans la vulgarité. Et je dis bien avec des preuves. Parce que tu ne peux pas envoyer des choses à quelqu'un que tu as bloqué de partout. Ça fait plus de 2 ans. Qui a cherché que tu le débloques en passant par des gens. Donc la suite de l'histoire, c'est après-demain à 18h00. Merci et à très bientôt. Bisous. Mildredé, je ne peux pas tomber dans son show. J'ai rien à foutre de lui. Je ne le connais pas. Il dit qu'il a 28 ans. J'ai une fille qui a bientôt 26 ans. L'année prochaine, ma fille a 26 ans. Donc si j'accouchais très tôt, j'allais accoucher ce monsieur. Mais comme il n'a pas le respect à autrui, il n'a pas le respect envers ses mamans, il n'a pas le respect envers ses grandes sœurs, il apprendra le respect envers ses parents dans sa famille. C'est pas sur Facebook qu'on vient chercher à respecter des gens. C'est pas sur Facebook qu'on vient chercher une éducation. L'éducation, c'est la base. C'est la base, c'est pas sur Facebook. Donc, il ne croit pas que j'ai peur de lui. À vendredi à 18h. Merci et à très bientôt. Ok. Robert Lenoir, arrêtez vos conneries, Nadège. Tu ne vas pas me dire d'arrêter mes conneries parce qu'il n'y a aucune connerie. Aucune connerie. Quand on ne répond pas, ce n'est pas parce qu'on a peur. Juste à quelqu'un dit qu'il va me chasser sur Facebook. C'est qui? C'est lui qui paye ma connexion? Ou c'est lui qui paye je ne sais pas trop quoi? Ou en m'insultant, ça va empêcher que mes enfants même, lui, avant qu'il ait mon âge, je pense que, et les enfants que j'ai, et les enfants que j'envoie à l'école, il lui faut beaucoup du temps. Parce que son éducation a raté. Son éducation a raté. Et je vais régler ce problème vendredi, avec beaucoup de preuves. Mon petit, j'ai pas mal à la tête, hein. Donc, ce que tu es en train de dire, j'ai pas mal à la tête. J'ai revendiqué la vérité. Et cette vérité va sortir. J'ai pas mal à la tête. Tu peux même pas me faire peur, hein. Tu ne peux même pas me faire peur. J'ai pas du tout mal à la tête, non. Donc, ce que tu écris là, c'est du cinéma, c'est du pipeau.
J'ai pas mal à la tête. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas mal à la tête. Mais sauf que tu n'en vaux pas la peine. J'ai pas mal à la tête. Je vais te répondre vendredi à 18h. Ok, merci, à très bientôt. Eric et Youm. Tu es sûr que je ne suis. Eric et Youm. Tu es sûr que je ne connais pas le chemin de Dieu, moi? Je prie tous les jours, matin, midi et soir. Je vis de la prière. Je vis de la prière. Je me nourris de la prière. Tu comprends? Donc, je prie. Ne m'amène pas le nom de celui-là. Ne m'amène pas le nom de celui-là. Le silence est mieux quand il le faut. Mais à un moment donné, le silence n'est pas aussi synonyme de la peur. Donc, à vendredi à 18h. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Vendredi à 18h. Donc, je vais apporter tout sur le problème par rapport aux captures d'écran qu'on m'a envoyé. Par rapport au post qu'il fait sur moi et au direct qu'il fait sur moi, j'apporterai mieux. Voilà. Ok, merci, à très bientôt. Au revoir, bisous. Salut, vendredi.